In Switzerland, 40% of hospitals are private. All citizens have health insurance. Within the scope of its research program, the Montreal Economic Institute went to see how healthcare is delivered in that country. Alors j'ai attendu environ un quart d'heure, 20 minutes avant de voir l'infirmier et ensuite le médecin. Bah, mon temps d'attente à peu près de 20 minutes à une heure. Dans notre centre d'urgence, le temps moyen pour un patient qui désire consulter est d'environ une heure. Écoutez, je suis bien normal de vous parler d'un temps d'attente dans les hôpitaux en Suisse parce que ce n'est pas un sujet à chez nous. Il s'est passé juste une semaine entre ma visite au chirurgien et l'opération. Ici, nous, s'il y a un délai d'attente de 15 jours, on aurait presque tendance à vous péter. Alors, quand je dois hospitaliser mes patients, en principe, dans la même journée, ils peuvent être pris. Quelquefois, on doit attendre un jour ou deux, mais c'est exceptionnel. Alors, c'est tout à fait possible, ça se fait régulièrement. Une partie importante des spécialistes qui travaillent avec la clinique de la Source travaillent également dans le système public. Si la clinique de la Source est pleine, je l'adresse à une autre clinique où je vais également suivre le patient. Le cas le plus typique est les urgences où l'hôpital est débordé. Ils sont très contents que notre service d'urgence assume une proportion d'urgence. C'est pour ça qu'aussi on a un contrat de partenariat pour accepter toutes les urgences qui viennent chez nous. C'est bien parce que les cliniques privées, ils donnent la possibilité de choisir où on veut être hospitalisé, puis ils permettent de désengorger surtout le système public. Alors, c'est un avantage direct évidemment pour le patient, c'est au travers de l'émulation qui peut être faite entre les instituts. C'est sûr que le privé et le public ont nécessairement une course de concurrence, hein, et qui est plutôt bénéfique aux patients parce que ça va plutôt élever la qualité. Si on est une société où on ne bénéficie que d'un service public, c'est clair qu'il y aura forcément des dérives parce que les choix sont politiques. Alors que dans le cadre d'un service privé, généralement on fait des choix qui correspondent aux attentes de la population. Le background socio-économique de la patientèle ou de la clientèle qui consulte notre centre d'urgence est du tout venant. C'est une population de tous les milieux sociaux et il n'y a aucune sélection, ni financière, ni socio-économique des patients qui nous consultent. Je m'appelle Anne Ratti et je suis enseignante au secondaire. Martin Esta, je suis vendeur dans une boutique de linge. Louis Maillère, juriste retraité. Métier, non-hygiéniste. Je suis enseignante au primaire. Je suis policier retraité. Employé dans une entreprise de commerce d'appareils téléphoniques. Le système de santé suisse postule le libre choix de manière générale. Il postule l'accès aux soins pour tous, la solidarité entre tous. Et pour pouvoir assurer des soins pour tous et partout, eh bien, il faut cette collaboration entre le privé et le public. Et le secteur privé joue un rôle déterminant pour l'accès aux soins pour tous.